Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment découper un savon pour lui donner du relief. J'ai préparé mon fameux savon au miel et au lait. Vous allez voir qu'au fond, j'ai mis une couche de papier bulle pour lui donner un aspect un petit peu alvéolé. On va le découper ensemble et je vais utiliser un outil qui est très utile pour découper les savons. C'est le coupe-légumes qui a une lame dentelée. À tout de suite! Allez, c'est parti pour la découpe. Il va falloir commencer par démouler notre savon. Alors, vous pouvez utiliser des gants. Je le fais souvent, je ne vais pas le faire pour cette vidéo. Alors, comment démouler le savon? On va tirer doucement sur les deux côtés du moule en silicone. Là. Et on va le faire descendre tout doucement en appuyant avec les deux pouces au milieu. Et en même temps, je tire pour essayer de ne pas trop imprimer la marque de mes doigts sur le fond du savon. Et le voilà. Deuxième étape, on enlève le papier bulle. Et voilà, les savons sont coupés. Regardez comme le résultat est joli. Donc on a un savon qui a vraiment du relief avec un côté alvéolé et les deux bords qui sont rainurés. Si vous voulez avoir des savons qui sont bien réguliers, je vous conseille de couper la première tranche très très fine pour éviter d'avoir un premier savon qui va être irrégulier avec un côté lisse et un côté rainuré. Enfin, dernier conseil, pour bien réussir la découpe de vos savons, il faut qu'il soit bien sec. Ça va vous permettre aussi de bien le démouler sans l'endommager. Et pour ça, moi, j'attends facilement 3 à 4 jours, parfois plus, pour démouler mon savon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.